Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, terre lointaine enchâssée dans le bouclier canadien, royaume tranquille où il fait bon vivre. Mais ce territoire est également un lieu de haute importance stratégique. La base de Bagotville a ouvert ses portes en 1942. Donc, elle avait deux rôles à cette époque-là. D'abord, la protection des installations de l'Alcan au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc les barrages des usines, qui à l'époque étaient un point stratégique très, très important dû à la production de l'aluminium. Et l'autre rôle qu'on lui a attribué, c'était l'entraînement des pilotes de chasse avant leur transfert en Europe ou en Asie. La Deuxième Guerre mondiale se termine avec la défaite de l'Axe et la victoire des nations alliées. Mais une nouvelle menace plane sur le monde. C'est le début de la guerre froide. La guerre froide a commencé en 1946, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Puis le monde, à l'époque, s'est divisé en deux. Il y a vraiment eu un côté les États-Unis et l'Union soviétique. L'Union soviétique a voulu élargir et propager leur système communiste, tandis que les Américains, bon, défendaient la démocratie. Durant les années qui ont suivi, il y a eu différentes guerres. Il n'y a jamais eu de choc frontal entre les deux pays. Comme par exemple, il y a eu la guerre de Corée, où ce que les États-Unis soutenaient en armes la Corée du Sud et l'URSS soutenait la Corée du Nord. Cette période est marquée par une course à l'armement nucléaire menée par les deux pays. Le monde est sous tension. Une étincelle et c'est la guerre nucléaire. Il faut protéger la population contre une telle menace. Avec la fin de la Deuxième Guerre et le début de la guerre froide qui pointait là, à la fin des années 40, on a réouvert plusieurs bases militaires qui avaient été fermées à la fin de la Deuxième Guerre, dont Bagotville. Le Canada et les États-Unis, craignant une attaque venant du ciel, unissent leurs efforts et créent le NORAD, le North American Aerospace Defense Command. Le NORAD, c'est une alliance entre les États-Unis et le Canada pour la défense aérienne de l'Amérique du Nord. Donc, le NORAD a été conclu en 1958. Donc, dès qu'il y avait une alerte dans le ciel, les avions décollaient. Bagotville fait partie du NORAD encore aujourd'hui. Un réseau défensif de radars et de bases aériennes est constitué. Dès qu'un avion soviétique survole le territoire nord-américain, l'alerte est donnée. La base de Bagotville est prête en tout temps à intervenir. Il y avait des bombardiers russes qui traversaient l'Arctique, qui venaient comme tester un peu le moyen d'intervention, le temps d'intervention des avions canadiens et américains, où il y a des avions aussi qui traversaient l'Arctique, puis s'en allaient vers Cuba. Souvent, Bagotville escortait ces avions-là, les bombardiers russes, pour pas qu'ils aillent au-dessus du territoire nord-américain. Bagotville jouait un rôle majeur parce que c'est eux qui s'occupaient et s'occupent encore aujourd'hui de l'Est du Canada. Une véritable course à l'armement s'engage entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'aviation militaire se transforme durant cette période. Il faut aller plus loin, plus haut, plus vite. Mon rôle ici, c'est d'abord d'élaborer et de conceptualiser les expositions. Ça demande, bon, évidemment, de la recherche historique, que ce soit dans les livres, les archives, national ou municipal, tout dépendant des sujets. Aussi de la recherche iconographique, des photos, des images, il y a de la vidéo aussi. Quand toutes les informations sont recueillies, il faut résumer et vulgariser ces informations-là pour les présenter aux visiteurs. Il faut s'en tenir à l'information historique, aux faits qui sont passés. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est d'essayer de trouver un angle d'approche. Je suis responsable aussi des collections. Vous gérez les collections, la collection du musée, la bibliothèque, les archives. Aussi, l'année dernière, j'ai monté une activité éducative pour les jeunes du primaire et du secondaire. Les qualités d'un historien, bien, ça comprend évidemment la passion en premier, mais aussi, il faut aimer lire,
être patient, parce que quand je pense au côté archives, ben, faire des recherches dans les archives, ça demande beaucoup de temps. Et puis, avoir une bonne capacité rédactionnelle. Donc, rédiger des textes, c'est pas donné à tout le monde, mais pour être un historien là, dans un musée, il faut aimer ça. Le projet où je suis le plus fier ici, c'est évidemment d'avoir monté des expositions temporaires. Quand on travaille sur un projet comme ça, et ça demande beaucoup de contenu, beaucoup de recherche, puis qu'on voit le résultat final à la fin, c'est une très grande satisfaction. La guerre froide bat son plein. L'Union soviétique et les États-Unis cherchent à prendre les devants dans la course aux technologies qui les opposent. C'est ainsi qu'entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, on assiste à une véritable révolution dans la manière de faire voler les avions. C'est un moteur qui date de la Deuxième Guerre, c'est un Parker Merlin. C'est un moteur de conception anglaise, mais ce modèle-ci est de fabrication américaine. Cette série de moteurs-là, 12 cylindres, c'était le moteur le plus employé durant la période de la Deuxième Guerre. Donc, ils avaient été développés en Angleterre par la compagnie Rolls-Royce. Ils ont travaillé le moteur pour en faire une pièce qui était extrêmement puissante, à plusieurs milliers de chevaux. Donc, c'est un moteur à 12 cylindres à essence qui équipait les appareils de chasse du même type qu'à Bagotville, nous avions à l'époque les Hawker Hurricane. Après la Deuxième Guerre, les compagnies qui développaient ces moteurs-là sont vite arrivées à la limite de la capacité de développer ce type de moteur-là. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont développé des moteurs à réaction. Donc, ce qu'on retrouve sur les appareils modernes. Donc ici, ce que l'on a, c'est un moteur Orenda de conception et de fabrication canadienne. Ce moteur-là date des années 60. Ces moteurs-là ont été produits à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'était installé sur le CF-100, le Kenok, et le Sabre, qui était construit sous licence d'une compagnie américaine. Les avions atteignent maintenant des vitesses supersoniques. Piloter un de ces engins devient de plus en plus dangereux et difficile au niveau physique. Il faut innover pour que les pilotes soient capables d'effectuer des manœuvres à grande vitesse. Voici un mannequin de pilote datant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années de la guerre, les appareils n'avaient pas de siège éjectable comme les appareils d'aujourd'hui, les appareils modernes. Donc, le pilote s'assoyait sur son parachute. Et si jamais son appareil était touché lors d'un combat ou d'un bris mécanique, il devait s'arranger pour s'extirper de l'appareil. Alors, ce qu'il devait faire, c'était d'ouvrir la verrière, détacher sa boucle qu'il attachait à son siège et de pousser le manche, ce qu'on appelle ici le manche à balai, de le pousser vers l'avant de façon à ce que l'appareil l'éjecte de son siège et ensuite qu'il puisse ouvrir son parachute. Donc, naturellement, les technologies ont changé en 2012. Les sièges éjectables sont beaucoup plus modernes. Ils ont des sièges où les pilotes peuvent s'éjecter pratiquement au niveau du sol. Le mannequin comprend naturellement le casque de cuir, le masque à oxygène, l'habit du pilote, les gants de cuir naturellement pour se garder les mains au chaud. Et vous avez les sangles du parachute et la poignée que le pilote devait tirer pour que le parachute puisse ouvrir lorsqu'il était sorti de l'appareil. Ici, nous avons deux mannequins de la période des années 70-80. Donc, on peut voir immédiatement que les équipements de vol se sont modernisés. Donc, à partir des années 50, les pilotes portaient des casques rigides. On en a un exemple ici, avec visière pour le soleil, toujours le masque à oxygène. Et on a un exemple ici d'une combinaison anti-G. Donc, la particularité de cette combinaison-là, c'est que pour les avions de chasse modernes, lors de manœuvres brusques, ça permet de garder le sang dans le haut du corps. Alors, il faut se souvenir qu'un pilote de chasse doit endurer des jets, ce qu'on appelle des jets lors de manœuvre, c'est-à-dire que le sang descend dans le bas du corps. Alors, cette combinaison-là vient serrer les mollets et la cuisse pour permettre au sang de mieux se répartir.
Le Musée de la défense aérienne de Bagotville possède une grande collection d'appareils de combat provenant du monde entier. Dans sa cour, on retrouve l'un des appareils les plus connus au Canada, le CF-18. En 1977, le gouvernement canadien décide de changer ses appareils CF-104 Starfighter, CF-101 Voodoo et CF-116. Il montre son intention d'acheter des appareils gagnants d'une compétition entre les différents fabricants d'aéronefs. En 1980, le CF-18 est choisi à cause de ses deux moteurs extrêmement efficaces pour mener des patrouilles dans l'Arctique, pour son excellent radar et son coût plus abordable que celui des autres avions. Le CF-18 mesure 17 mètres de long et 4,5 mètres de haut et a une envergure de 12 mètres. Il peut voler à une vitesse de 2200 km/h, ce qui équivaut à presque deux fois la vitesse du son. Utilisé depuis 1982 par les forces armées canadiennes, ils ont participé à des interventions militaires durant la guerre du Golfe, durant la guerre du Kosovo et, plus récemment, lors de la participation du Canada à la zone d'exclusion aérienne en Libye. La guerre froide est terminée aujourd'hui. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de menaces. Avec le réchauffement climatique, le Grand Nord canadien devient un nouveau territoire à exploiter et il faut continuer à le protéger. Des chapitres entiers de l'histoire de l'aviation canadienne s'écrivent aujourd'hui. Un musée existe pour préserver la mémoire de ces chevaliers du ciel. Le Musée de la défense aérienne de Bagotville. Notre musée est ouvert depuis 1997. C'est le seul musée de l'aviation militaire au Québec et le seul musée de l'aviation militaire francophone au Canada. Donc, il est situé à la 3e escadre dans la région du Saguenay. Les thématiques du musée, c'est la défense aérienne canadienne. Donc, c'est un rôle qui est dévolu à Bagotville depuis sa création en 1942. On traite également de l'histoire de la base de Bagotville, naturellement, et de l'histoire de l'aviation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons à l'intérieur de tout ça divers mannequins, nous avons des appareils, des moteurs d'avion. On a toutes sortes d'histoires relatives à l'histoire de Bagotville et à son rôle stratégique à l'intérieur de la Corée du Nord.